In the hill country of Provence, up from Cannes and near Mougins, lies a hotel and restaurant that used to be a vintner's farm. La Vignette Haute, the little hillside vineyard, was completely restored recently by Jean-Jacques Meyer, a Paris businessman who saw its potential as a paradise. A place to really get away from it all, where stone and wood and water come together in perfect harmony. The interiors and rooms of its four-star hotel are appointed in the most authentic traditions of the region, and its kitchen under Master Chef Bernard Peters offers la cuisine provençale at its finest. Et maintenant, la farandole de viande and now we'll be doing an assortment of grilled meats with a herb sauce. Pour cela, nous avons besoin de tout un assortiment for de viande. For this dish, we need a selection fumée, of meats, de fumée, bacon, des chipolatas, du blanc de poulet, chicken, du magret de canard, duck, du filet de bœuf, beef, du filet de veau, veal, des noisettes d'agneau, and lamb. Pour la garniture, nous allons employer des courgettes et tomates. Zucchinis and tomatoes. Avec les restants de viande, nous avons fait un petit jus. With the leftover pieces of meat, we make a meat stock. Herbs we'll be using will be chives, cerfeuil, chervil, plat, parsley, nous avons un peu de thym citronné, thyme, et de l'estragon. And pour tarragon. La nature, nous allons préparer un tian de courgettes. For the vegetables, we'll be making a little vegetable pie. Ou des petits plats ronds, bien huilés d'huile d'olive. First, we take a little pot like this. Tout autour, slice our courgettes and place them in a circle like this. Posons donc chaque each one dessous. Under the other. Ensuite, nous prenons les tomates. We take our sliced tomatoes next et nous and do the same thing, placing them in a circle. Évidemment, sur chaque couche, on pose un peu de sel. In between each layer, of course, et we un peu d'huile d'olive. Place a little bit of salt and pepper and olive oil. On remplit bien le milieu également. Making sure we fill up the center. Olive oil. Du sel. Salt. Du sel de Guérande, toujours de préférence. Sea salt if we can. Et on recommence if we can use it. And then we start again the same process with the zucchini. Salt and, of course, the olive oil. On met cela au four. We place this in the oven 10 minutes, for around about 10 minutes, que les légumes soient cuits, or just until the vegetables are ready. Nous allons éplucher. Then we take our herbs et, hacher. And then we chop them. Donc nous, l'estragon, tarragon, chervil, la ciboulette, le persil, thyme, chives and parsley. We take them all like this, mix them up nicely. Et on mélange tout et on hache. And then we chop them. Pas trop fin, not too thinly and too small, because we want to keep the value of these herbs, the smell and the perfume. It's, we can smell them now, look. Oh. Then we cover our meat with a little bit of olive oil. It's used a great deal in Provençal cooking, as it is much healthier than animal fat. A little bit of salt. Pour faire des bonnes grillades, il faut d'une for part a good grill, we need two things. Peu, it has to be clean and not too cold and not too hot. It has to be just right. Un joli quadrillage, de façon que la viande soit quand même appétissante. Vérifiez bien car les cuissons be careful when cooking the meat that each meat is cooked to its own specifications, as all these meats cook differently. Maintenant que nous en avons tous nos éléments, nous allons now dresser notre plat. Now we have all our elements, all our assorted grilled meats. We're going to place the courgettes, the zucchini, and tomatoes on our plate. We take off the juice we don't need. Et on va le démouler sur l'assiette. And we place in the center of the plate. D'un seul coup, hein. In one go, like that. You see this? Voilà. So it's autour, it maintains its structure. Nous allons disposer nos viandes. Et avant de dresser, nous before we put our meat around the vegetables, we give it a little bit of a coating in black pepper, which brings out the flavor much more. We then take our pieces of meat like this and arrange them delicately around the plate. Hello. Pour la sauce, on reprend
notre jus de veau. For the sauce, we take our meat stock. Nous y ajoutons nos herbes. We add in our herbs. Bien mélangées. Well mixed together. On peut bien y mettre des herbes. Of course, sir, don't be afraid to put the herbs in there, as much as you like. Quelques gouttes. And a little bit of sherry vinegar, which will bring out the flavor of the sauce. Voilà. Ils vont relever le tout. Bien mélangé de façon à former. Of course, mix this very well. Bien homogène. So it's nice and even. Et on a l'assiette. And cover the plate like this. And there we have it, our mixed grill acidulé aux herbes tendres, with herbs, accompanied by a little vegetable pie. Et maintenant, nous allons préparer la salade de fraises et citrons du pays. Pour ça, nous avons besoin tout simplement de fraises et de citrons du pays. Un peu de sucre. Et également, ce plat peut être accompagné de quelques macarons. On commence par faire... prendre un citron. Et en récupérer la peau. Avec un économe, bien sûr. Avec le reste du citron, on va les récupérer pour faire un jus de citron. On récupère les écorces et nous allons les couper finement, en fines petites lanières. Et qu'après, nous allons mettre à confire dans de l'eau avec du sucre. Le citron du pays a la particularité d'être un citron très doux. Là, nous avons mis dans la casserole un peu d'eau, des zestes, et nous rajoutons du sucre. On peut y rajouter bien du sucre, bien sucré. Avec le jus de citron, nous en parlions tout à l'heure, nous récupérons pour moitié de jus de citron, pour un litre de jus de citron, 1 kg de sucre, dont nous mélangeons également de la pectine, qui est un liant. Nous portons à ébullition, et dès que ça boue, nous mettons à refroidir. On enlève l'écume qu'il y a dessus, et nous obtenons ceci. Une sauce onctueuse. Maintenant, nous allons prendre nos fraises. Ceci sont des fraises de Provence, qui viennent de la région de Carrosse. Nous les coupons en quartier. On enlève le pédoncule. Nous allons dresser 3 petits dômes de fraises. Sur nos fraises, nous allons mettre un peu de nos zestes pour donner un petit peu d'amertume à la salade. Sur le côté, nous mettons nos petits macarons qu'on peut trouver facilement chez un pâtissier. La gelée de citron, on nappe les fraises avec la gelée de citron, enfin de façon à bien enrober les fraises de cette gelée. Alors cette salade peut être également accompagnée d'une boule sorbet de citron. Et pour finir, la petite feuille de menthe. Wander beside the medieval swimming pool and breathe an air that comes from a meeting of the Mediterranean Sea down the hill and the Maritime Alps further up, and the perfume of the lavender that grows everywhere in this part of France. It's a time and place to leave everything aside and live in harmony with nature's art and man's. Shall we join the others at the restaurant for dessert and a minstrel serenade? Yeah.
sauver.